présent, chers amis et téléspectateurs, nous allons devoir vous convier à suivre les différents résumés des matchs qui se sont déroulés dans les différents sites ou les zones de développement établies par la Ligue nationale de football. Pour ce qui concerne en tout cas cette émission de Sportissimo de ce soir, nous allons nous atteler sur la 11e et les débuts de la 12e journée. Bien perdu par Oscar Machapa. Attention de nouveau les nordistes. Oh là, c'est centre. La frappe, c'est le but. C'est le but, cher ami sportif. C'est le but. On le voit, le centre est parfait, pied gauche de Kassongo Moua. La défense était attentiste. Hein. Et la reprise, la volée pratiquement de Kitoko s'est barré. Jérémy Bassiloua, le petit litin, il va créer la zizanie, attention là-bas. Jean-Marc Makoussou, le contrôle, oh la balle. Jean-Marc Makoussou, c'est le but. Jean-Marc Makoussou, qui égalise. Salut Soumochebe, c'est le but. Cher ami sportif, c'est un diable qui marque. On a cherché Junior Koneabou. En extension, Ricky Tulengi, Marius Maxemet. Marius Maxemet a été bousculé. Il va la rouler, cher ami sportif. Je vous laisse suivre ce coup. Voilà ! C'est pas possible ! Kevin Marius Maxemet, cher ami sportif, c'est un monstre ! On joue dans les camps de Vitema Pembe. Le centre, la tête. Ah, Batabiki ! Attention, et le premier but. Voilà. Le but. Le but. Inscrit par Bakoulou Bitumba. Attention, il n'y a pas hors-jeu sur ce coup-là. Attention. Et c'est le deuxième but. Voilà, le deuxième but. Le deuxième but, madame, messieurs. Le match pourrait se solder sur ce score-là, de 2-0, en faveur de Shark 11 qui va consolider. C'est donc fini. Attention avec Ntumba qui descend. Ntumba, qu'est-ce qu'il va faire? Un petit crochet de l'intérieur. Et le centre, bien dosé. Gauche. Ah, ouh là là, c'est le but. C'est le but. Visiblement, et c'est parti, on l'a vu. La deuxième période, attention, vers la gauche, cette déviation, qu'est-ce qu'il va faire? La frappe à ras du sol. Oulala, l'égalisation, c'est bien fait de la part de Dossard 17, Ntumbali Banza, qui a repris le centre à ras de sol. La pelouse du complexe équipe Bassam Madiba n'échauffe pas lorsque il y a une entente de presser sur cette défense. On commence par le même rythme. Attention, un bon ballon. Peut-être Kanida, le petit concepteur de Kanida qui garde le ballon qui décale pour Erita Makabo. Le goal! Erita Makabo, l'attaquant de procès de frapper et ça fait tête. 1-0 pour le Popo. En anglais, ouais, ils ont dit échappe. Alors que là, on revoit la passe de Bangala, Sando, Sando qui vient, qui dévisse ce ballon net. Ouais, il y a eu contact. Et puis, Kalobota, vraiment voltigeant, vient mettre son corps en opposition face à Kabeya pour sauver ce ballon de ses buts et continuer de le protéger. Alors, c'est un arrêt de la partie quand même assez long. Alors, le Sadis qui trouve Bernard Morisson qui défait sa vis-à-vis, là, dans 7 mètres. Il est arrêté régulièrement. Et l'arbitre n'hésite pas un seul instant à accorder. Le pénalty de la club, Papi Katassi. Bernard Morisson, il se lance. Oh là! Il perd son face à face, les Ghanéens. Il perd son face à face. Et le portier Kayembe Ghana, en deux temps. Le... aussi la Ligue des Champions, salue en tout cas les Allez, il met en profondeur pour le capitaine Lusade Zobas ici là. Il entre les 16 mètres. Le centre, le coup de tête. À bout portant, finalement, coulé Mbombo. Finalement, Koulé Mbombo trouve le chemin de filet pour l'ouverture du score. Papi Katassi, 1-0 pour les clubs.